répondu à cette question sur l'affaire Nathalie Quoi, Samuel Eto'o. Très bien. Vous me donnez et c'est la dernière réponse de cette émission. Alors, je suis contacté par cette jeune dame, par ses avocats notamment, qui sont à Essos, à l'avenue Germaine. À l'époque, elle est énormément menacée. J'avais dit que je ne parle pas des confrères. Vous savez que j'ai un certain âge. Et je les ai invités, les directeurs des radios et des télévisions. Je les cite, vous voulez? Au Dubaï, c'est un bar à Tchinga. Et Nathalie Quoi a donné 5 millions, il fallait qu'on parle de ces choses. Et tous les directeurs ont eu 500 000. Tous. Je les cite? Non. Oui, c'est bien. Voilà. Cite. Il n'a donné à personne. Voilà. Cite. Il a cité quelques-uns tout à l'heure. C'était pour qu'on rende l'affaire publique. Parce que Nathalie Quoi s'était fait agresser. Il n'a donné à personne de l'argent. Fundi, et tout le monde a reçu. Vous voulez? Qui cite? Cite les noms. Parle. Non, monsieur Tonguin. Demandez-le de citer. Monsieur Tonguin. Qui sont des confrères? Monsieur Tonguin. Il n'a donné à personne. Je connais la personne. Je suis coincé. Ce sont vous les confrères. Monsieur Tonguin. Tu l'as nous a utilisé à Canal Presse. Et c'est vous qui distribuez la. Non, il n'a donné à personne. Je parle. Chantal, il n'a donné à personne. Bon, merci. Non, non, cite les noms. Tinga. Cite les noms. Tu n'as donné à personne. Une petite. Là, je te suis quoi? Même on écrit. Oui. Mais attends, vous voulez je suis tout aussi mal élevé que toi. Il me demande tu n'as donné l'argent à personne. À qui tu as donné? Est-ce que c'est à vous? À qui il a donné? S'il vous plaît, Soulé. Est-ce que c'est à vous que Chantal Roger Tuileux? Est-ce que c'est à vous que Nathalie Quoi a remis les 5 millions? Il fallait que je parle. Est-ce que c'est à vous? J'étais l'actionnaire principal de cette affaire. Donc vous avez reçu les 5 millions? Que je parle. Et après, Eto'o lui a donné 12 millions. S'il vous plaît. On va y arriver. Oui, mais après, Eto'o lui a donné 12 millions. Il s'est retourné contre Nathalie Quoi. Permettons-le de répondre. Mais vérité, on va y arriver. On va y arriver. Monsieur Tonguin. Est-ce que Chantal Roger. Mais on a laissé le temps de jouer le mal élevé. On peut aussi l'aider. S'il vous plaît. Il a reçu 5 millions. S'il vous plaît. Il en a reçu 12. Il est là, il n'est pas mort. Eto'o le lui a envoyé depuis le Brésil. Est-ce que vous avez reçu les 5 millions de Nathalie Quoi? Je réponds. Oui. Réponds. Nathalie Quoi est agressée, est traquée. Elle est on dans connaît un... l'histoire. Je viens. Oui. Elle est dans un procès le générique avec à son amant. Déjà. Avec son amant. Oui. Il faut que les médias en parlent. Mm. Son avocat est... Il faut toujours bien m'écouter. Mm. Elle en a deux, en fait, mm. qui sont des Bamouns, qui sont à l'avenue Germaine. Elle me donne 2 premiers millions pour que la presse parle de son affaire. Parce que pour la CNPS, M. Soulet est certainement passé là-bas. Je peux vous montrer beaucoup d'autres qui sont passés. Parlez pas de Nathalie Quoi, s'il vous plaît. Oui, je viens. J'ai pas dit lui. J'ai pas dit lui. Oui, oui. J'ai pas dit lui. Oui, tout à fait. Je parle en français. Non, oui. Je parle en français. Tout à fait. Et donc, beaucoup sont passés chez M. Eto'o et ont pris. Vous avez vu l'autre jour. Une semaine après. Non, avant. Et Mme Nathalie Quoi me voit parler dans votre télévision. Elle me dit, c'est lui qui peut parler à mes lieux et places. Je lui dis, au niveau où on t'agresse, on a arrêté ta voiture, on t'a enfermé à Mukolo, il faut que les médias en parlent. Nous sommes ce jour-là chez ses avocats. D'abord, celui qui me met en contact avec elle, je peux vous citer, on a dit qu'on ne cite pas les personnalités, c'est une grande personnalité de la justice, qui sait que ce que je dis là est vrai. Elle n'a pas d'argent et ton fils a bloqué ses comptes. Elle m'est en train d'arracher la voiture. Elle a demandé même l'argent, je crois, pour les montres et les bijoux. Donc, je lui dis, pour qu'on en parle, je connais mes confrères. Quelquefois, ils sont affamés et veulent l'argent, c'est la vérité. Elle débloque 5 millions et me dit, ce n'est que ce qu'elle a. J'ai réuni tout le monde. Mmh. Rodrigue, voyez-moi, jeune dit. Frère. Mmh. Et je distribue l'argent. Tous ont pris. Monsieur Soulet ne peut pas être là, il n'est pas directeur public. Vous avez donné à son qui? Papier n'est qu'un papier qui rédige assez mal rédigé. Donc, écoutez-moi. Donc, je distribue à tout le monde et l'affaire Quoi devient une affaire nationale. Vous avez dit que je parle. 3 jours après, c'est là que vous allez accepter que je cite les noms. 3 jours après, un monsieur m'appelle dans mon téléphone. Il est dans votre télévision. Il s'appelle Jean-Bruno Tagne. Il est au Brésil avec Eto'o fils. Ça vous citez. Avec un autre qui s'appelle, qui faisait les émissions de sport, Bonny Philippe. Allô, oui, je vois un dans mon téléphone. Président, oui, le 9 veut te parler. J'ai dit, c'est qui le 9? Il dit, Eto'o fils. Je dis, ce monsieur qui a grandi dans les égouts, c'est comme ça que j'appelais, est né dans les caniveaux. Il dit, le 9 veut quand même te parler, d'ailleurs il t'entend. Je dis, passe-le-moi. Et le 9 me dit, tu es marié, petit frère? Je dis, oui. Tu es quelque part où je peux t'envoyer les photos? Je dis, oui. Il dit,
petit grand frère, parce qu'il m'appelle grand frère jusqu'à maintenant. Tu es entré dans une affaire de couple. Quand je viens à Yaoundé, je t'en parle. Je t'envoie déjà les photos pour que tu vois, c'est les photos que vous avez vues dans le net. Et l'argent. Je t'envoie les photos. Et l'argent. Dans... Je suis en train de parler. Je t'envoie les photos. Millions. Je t'envoie les photos pour que tu vois si tu peux accepter ce que j'ai vu. Il envoie effectivement les photos. J'ai cité vos deux personnes de votre chaîne de télévision. J'ai cité les noms. Mais René, qui cite ça qui l'a donné et maintenant, millions. On m'envoie les photos. De citer ça qui l'a donné je 5 suis millions. Par chance invité à votre chaîne de télévision. Jean-Bruno Tanguy. L'émission a lieu à Douala. Oh, mais qui pas, cite ça à qui il a donné 5 millions il pourquoi il cite pas accusé, il n'a pas accusé Jean-Bruno Tanguy. Non, mais qui cite ça à qui il a donné 5 millions vous m'avez dit de ne pas citer. Et je suis invité à votre télévision à Douala. À Douala, c'est le directeur de publication qui était là, pas vous. Vous êtes rédacteur. Oui, bien sûr. D'ailleurs, de seconde zone. Et donc, à Douala. Non, je peux pas. D'ailleurs, je peux à Douala, parce que tous les papiers sont souvent mal écrits. Donc, à Douala. Vous ne savez même pas écrire français, j'ai les photos. J'ai les photos devant moi. Vous ne savez pas écrire français dans votre journal. Écoutez-moi. Merci, merci, Chantal. La tribune de l'Est, c'est un torchon. S'il vous plaît. Vous pensez que si je voulais créer un journal, c'est la tribune de l'Est? Merci. Pour être tous les jours au CNC? Vous avez vu que vous avez mais vous parlez de quoi? Vous avez les qualités de rédacteur pas, que je va, suis? Ne va pas vous déstabiliser. Mais attendez, mais il sait quoi que, voilà. Il écrivait quelques rares biais. Il s'est fait une enquête. Merci. Il s'est fait un reportage. Manifestement, j'ai réussi à le déstabiliser. Nous allons voir la synthèse. Vous avez dit beaucoup de choses. Non, monsieur Tulé. Au courant de cette émission. Vous avez dit, vous avez dit. Vous ne pouvez pas parler de la qualité nous du allons prendre avec la moi. Synthèse je suis dans un instant après un long jingle pour ramener le arrêtez la frimine.